what is happening in Gaza is always worst for the most vulnerable women and children. So many people killed, so many wounded. What is important is that we give the message to the women of Gaza: stay proud, stay alive, make sure that you keep your babies alive, because the world is so proud of you. Mon message, c'est que la défense belge a voulu justement montrer son soutien à la population palestinienne, à ces femmes, à ces enfants qui sont en grande souffrance, qui manquent de matériel de premiers soins et de nourriture. Et donc c'est ainsi que nous allons participer à cette coalition humanitaire pour la Palestine, pour pouvoir apporter ce matériel humanitaire, ces vivres, et leur dire en fait qu'on est avec eux, qu'on aimerait que ce soit beaucoup mieux, qu'il y ait un cessez-le-feu, que les camions puissent franchir la frontière avec le matériel humanitaire de façon plus fluide, mais qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, mais qu'on ne les abandonne pas et qu'on organise cette opération militaire. We need absolutely an immediate ceasefire. That's the only message that, and the main message that I would like to deliver today. What we see in Gaza is a humanitarian tragedy.